Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon. Et cette fois, on va ouvrir ce coffret. Alors, c'est un coffret dresseur d'élite de l'édition Destinée Occulte. C'est un coffret qui est sorti en France le 23 août 2019. Donc, c'est un peu ancien. Bon, mais bon, j'ai pu réussir à me procurer ce coffret. Et je suis bien content de pouvoir l'ouvrir avec vous. Parce que c'est quand même une édition qui avait 69 cartes, enfin sur 68 a priori. Et qui en plus avait 94 cartes chromatiques. Des chromatiques rares, GX, des ultra rares, des secrètes rares. Donc je suis vraiment content d'avoir récupéré ce coffret pour l'ouvrir avec vous. Et puis comme ça, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors normalement, il y a 10 boosters destinés aux cultes. Donc c'est quand même l'édition SL 11.5, Soleil et Lune. Donc c'est ça, 2 ans et demi. Hein. A priori, il y a aussi une carte Pommeau Brillante, Sulfura, de Sulfura, Elector et Articodin, GX. On va découvrir 65 prochaines cartes, 45 cartes énergie du JCC Pokémon, un guide de jeu, 6 dés de marqueurs de dégâts, un des lanceurs de pièces autorisés en compétition, de ces... Ouh là là, il y a plein plein de trucs, un coffret de séparateur. Ok, c'est sympa. C'est super sympa. Je suis bien content d'avoir pu récupérer ce coffret. Alors je vais l'ouvrir avec vous, je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo d'ouverture de coffret. Alors celui-là en plus particulièrement, parce que c'est comme l'édition qui est sortie il n'y a pas si longtemps, ça, le 3.5, 4.5 je sais plus, des pays boucliers, et il y avait aussi des cartes chromatiques rares. Et là il y a quand même 10 boosters dans ce coffret, donc c'est cool quoi, franchement c'est super cool. Alors la boîte est plutôt belle. Alors, je vais faire comme ça. Hop, alors déjà pour commencer, on a ce livret. C'est un guide de jeu. Ouais, ok, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, il est sympa le livret. Dommage qu'ils aient pas percé des petits trous pour le mettre dans un classeur. Mais le livret est très sympa avec la liste des cartes, les photos. Ok. Bon bah c'est bien. C'est bien pour commencer. Ça commence très bien. C'est très sympa. On va le laisser là, le livret. Hop, je vais enlever donc la truc. Alors, je vais défaire la. Ah ouais, je l'ai défait, mais. Ouais, bon, c'est pas grave. En fait, il y a une photo intérieure qui est généralement grand format. On va pas le défaire. On va le laisser comme ça. Ça, je pourrais le ranger après. Et on a la boîte. La boîte, elle est en sorte de plastique carton. Carton plastique. C'est plutôt rigide. C'est plutôt sympa. Et puis là, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais enlever ce carton séparateur qui sert à rien. Et puis ben, à l'intérieur, ça va être la surprise. Donc on a normalement 10 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters. Super. Je vais les ouvrir après un par un. On a... Ah, ces super pochettes. Des pochettes qui sont magnifiques. Ok. Donc c'est un paquet de combien de pochettes? 60, 65 protège-cartes, super. On a aussi ce GX Squad, c'est un magnète avec deux petits ronds comme ça aussi. Oh, c'est sympa. Alors le magnète, je pense qu'il est aimanté, hein. Il est aimanté. Bon, je vais y laisser comme ça, je vais même pas y ouvrir ça. Et puis on a la carte, voilà, elle est superbe. Elle est superbe cette carte. Elle est vraiment vraiment très belle. Sulfura, Elector et Articodin GX. La carte promo SM 210. Je vais l'ouvrir. Hein. Par contre, je vais l'ouvrir. Celle-là. Elle va venir se rajouter dans la collection. Alors là, par contre, c'est coque, il n'y a qu'une carte. C'est pas très malin. Je vais peut-être en prendre des ciseaux. On va pas prendre de risque parce que c'est un coup à abîmer la carte. Ce qui serait quand même dommage. Hop. Hop, elle est belle. Ah, elle est, en plus, elle est vraiment, elle est un peu rugueuse. Enfin, elle est super sympa. Vraiment, c'est une carte super sympa. Je vais la mettre ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a là-dedans encore? Alors, on a des intercalaires aussi pour ranger les cartes. Ok, il y en a 4. 4 intercalaires. On a un lot de dés de l'édition. Ah ouais, avec les petites étoiles qui brillent. Et on a aussi alors, une carte à code. Du classique. Hein. Voilà. Et on a aussi ce paquet de cartes. Alors, ce sont des cartes énergie. Si je comprends bien, il n'y a que des cartes énergie. Ben, on va les ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, hop, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a des énergies de toutes les couleurs. Ok, a priori, il y a 45 cartes énergie. Donc, je vais y laisser là. La boîte est plutôt rigide et plutôt sympa. Donc, elle peut être réutilisée éventuellement pour ranger les cartes. Ça, c'est bien. C'est top. Franchement, c'est top. Et puis, alors, l'avantage aussi, c'est quand même, on a 10 boosters destinés au culte. Alors, il y a quand même des cartes de fou dedans. Puisqu'il y a quand même pas mal de chromatiques rares. Et, bon, il y a les cartes de l'édition, il y en a 78, mais il y a des cartes chromatiques rares. Et j'espère qu'on va au moins, genre, en avoir une. Ça serait sympa de vous montrer une carte chromatique rare. Et puis, alors, je sais qu'il y a un Dracaufeu GX qui est coté à plusieurs centaines d'euros, par exemple. Enfin, il y a des trucs de fou dans cette édition. Bon, je vais voir ce que je vais pouvoir tirer. Il y a des secrets rares. C'est top, ultra rare, chromatique GX. Hop. Alors, on va enlever la carte du jeu JCC. Que je me trompe pas. On va faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah, c'est à l'envers. Allez, c'est parti. En premier. Alors, j'en ai mis à côté. C'est parti. Alors, oula. Je fasse gaffe. Alors, en un premier, voilà le petit logo de l'édition. Pardon. Oula. Ici. Et donc. Voilà, si je rentre la lumière, mais le problème c'est qu'après, il y a trop de lumière. Donc on a un premier rondoudou. Je vais faire défiler. Donc j'ai essayé de mettre les communes en premier. Après, normalement, il y aura les peu communes. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Abou. Rakeyou. Osley. Evoli. Et ah là, une rare reverse. Evoli rare reverse. J'ai mis n'importe comment. Je crois que je me suis raté quand j'ai mélangé. J'aurais dû mettre les peu communes en premier. Bon, c'est pas grave. Une rare reverse, c'est Evoli. Ah, c'est top. Premier booster, on a déjà une rare reverse. Je vais la mettre de côté. Là, on a les peu communes. Dame du centre Pokémon. Chrysacier. Et on a Arène d'Azuria d'Ondine. Donc après, il y a l'énergie. Bon, ok. Et après, en rare, on a... Oh, Raichu GX! Ah ben ça commence bien! Premier booster! Alors j'ai déjà une Evoli en rare reverse. Et puis Raichu GX! Ah c'est top! C'est top! Là je sais pas, c'est combien Evoli, c'est la combien? C'est la 48. Bon, ben, ça commence très très fort les amis. Premier booster, et là j'ai deux cartes plutôt sympas. Alors je vais les mettre comme ça. Peut-être mettre... Voilà. Comme ça, on va les afficher ici. Et je vais essayer d'ouvrir les boosters. Faire du suspense. Je vais essayer de mettre en fait d'abord les communes. Après, en deuxième, il y aura les peu communes. Et après, la reverse. Donc ça, c'est les peu communes. Après, c'est... Normalement, l'énergie, la rare et la reverse. Donc, on va faire comme ça. Allez, hop. Je vais voir si ça marche. Je tente, je tente, je tente. Allez, c'est parti. Starry. Voltorb. Donc là, on a les communes. Pikachu. Ah, Pikachu. Ok. Rondoudou. Ah bon, alors on va sûrement avoir des cartes en double, forcément, puisque j'ai 10 boosters. Hein, et qu'il y a 70, 68 cartes de l'édition. Détermination d'Ondine. Voilà, une peu commune. Si je ne me suis pas raté. Une autre peu commune, Arène d'Argenta de Pierre. Et Exil de Giovanni. Donc maintenant, on a soit la. Si je ne me suis pas raté, l'énergie. Ok, c'est super, je ne me suis pas raté. Et en reverse, Salamèche. C'est une commune reverse. Ok, et en rare, on a, attention, Grolem en rare. Oh, c'est une classique. Pour l'instant, il n'y a pas de chromatique.
Donc je vais ouvrir le troisième booster. Oh, ça se déchire bien. Oh là là. Allez, on a la carte à code. Hop. Et c'est reparti. Oh, Pikachu, encore un Pikachu. La même. J'ai l'air deux fois. Magikarp. Smogo. Melofé. Bon, c'est le troisième booster sur 10. Hein. On a de quoi faire. Starry, encore. Bah oui, forcément. Détermination d'Ondine, un peu commune, un sécateur. Bah, je pense que là, de toute façon, en 10 boosters, les communes, vu qu'il y en a 6, combien il y en a 6 par booster, je vais toutes les avoir, hein, forcément. Suggestion de Morgane. Et on a Rakaillou. Ah, oh, bah j'ai fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai. Alors là, je me suis raté. Bon, Rakaillou en reverse. Et en rare, on a Mélodelphe. Et après, la carte énergie. J'ai inversé, en fait, c'est 4 qu'il faut que j'inverse. Bon, bah, on n'a pas eu de carte spécifique, c'est pas grave. Pas de suspense. Allez, on va refaire. Parce que si j'ai mis la carte énergie en... derrière, donc là, donc c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, c'est parti. Allez, pour le quatrième booster. Allez, j'aimerais bien avoir une carte chromatique là, ça serait sympa. Chenipan, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Salamèche, Mélofée, Psychokvak, Magikarp, la carte énergie. J'ai fait n'importe quoi là. Non, c'est bon. C'est juste que je voulais la laisser avant la reverse. Bon, c'est pas grave. Gravalanche en un. En peu commune, canard tichot en peu commune, Liboutou, et maintenant la reverse. Ah bah voilà, c'est une carte. Alors c'est la 22, c'est une carte chromatique rare, celle-là. Donc c'est la première, Lucario chromatique rare. Super. Et après j'ai, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? La 63, ça c'est un dresseur rare. Ah, c'est cool! Ah, bah là aussi, j'ai encore un super booster. Parce que je me tape quand même une holo rare et une carte chromatique rare. On va les laisser là. On va mettre les cartes ensemble, les cartes qui sont super sympas. Et bon, bah voilà, ça c'est bien. J'ai déjà 4 cartes intéressantes. Alors, c'est bien. 5e booster. Il y en a 10 hein, quand même. Donc, je voulais vous montrer ce qu'était une chromatique rare. Donc, il y a le petit A en bas. Je suis plutôt content. J'ai 10 boosters. Ah, déjà au moins une, c'est déjà bien. Donc 3, après. Là, 1, 2, et si je me rate pas, et là, je crois que je suis bon. Allez, c'est parti. Donc Chenipan. Paras, c'est les communes. Salamèche. Magikarp. Et les dresseurs. Donc le dresseur, là, stratégie de Major Bob. L'intérêt, c'est quand même d'avoir des cartes un peu hors normes, parce que là, je vais toutes les avoir en plusieurs exemplaires. Détermination d'Ondine, Liputu, et là, on a l'énergie, et maintenant, la reverse. Allez, c'est parti. Arène d'Azuria d'Ondine. Une peu commune reverse. Ok. Et en rare, on a... Oh, encore un dresseur rare. Entraînement de pierre. Mais il y en a plusieurs, en fait. C'est la 55. Holo rare, oui, il y en a pas mal. Bah, encore une de plus que je vais laisser avec celle-là. Là. Ok, bah, en 5 boosters, les amis, j'ai déjà eu une carte GX, une carte chromatique rare, et une reverse rare, et 2 holo rares. C'est pas mal, ça. Allez, 5 boosters. 5 boosters, et on va voir ce que ça va donner. Cette petite ouverture, c'est quand même une édition qui a 2 ans et demi, mais je suis bien content d'avoir pu la récupérer. Allez, c'est parti. Et voilà, alors Rakaillou, donc les communes. Rakaillou, Evoli, Mélofée, Chenipan, Abo. Et les peu communes. Allez, Magmar, Reptincelle, Gravalanche, et ah non, la carte énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai en reverse? Allez, c'est parti, la reverse. Oh, encore une amazing rare. Ouh, la 14. Voilà.
C'est une chromatique rare, la 14. Bon, ah, c'est des petites cartes chromatiques, mais ah, dommage, dommage. J'aurais bien aimé avoir une super carte. Là, c'est vrai que c'est il y a aussi des parce qu'il y a quand même des chromatiques GX. Bon, là, c'est les moins intéressantes. Et après, j'ai Grolem. Bon, je l'avais déjà. J'ai pas des cartes extraordinaires. C'est dommage. C'est dommage. Bon, on va voir. Il reste 4 boosters. C'est des cartes intéressantes. J'en ai beaucoup de différentes. Mais j'aurais aimé avoir une super carte. Il y a quand même des cartes secrètes rares. Enfin, il y a tout un tas de cartes de fou dans cette édition. Après, je suis pas sûr là. Oh, alors le booster il fout n'importe comment là. Je suis pas sûr maintenant que j'ai eu 2 cartes chromatiques rares que je puisse en avoir une autre. Là, je dois vous avouer que, à mon avis, il n'y en aura pas d'autres. J'ai eu une carte GX aussi. Il y a eu pas mal de rares. Voilà, à mon avis, c'est mort. Bon, on va continuer. On ne sait jamais. Hein. Surprise, on verra bien. Ah bon. Allez, Pikachu. Evoli. Mélofée. Rondoudou. Arène d'Argenta de Pierre. Peu commune. Exil de Giovanni. Piège de Koga. Et voilà, on enlève l'énergie. Et maintenant en reverse. C'est parti. En reverse, on a. Oh, oh là là! La 71. Et ben voilà, je pensais pas que j'en aurais. Engloutant GX. Wow! Et ben en voilà une. Alors, pas de bol, c'est une chromatique GX. Bon, c'est peut-être celle qui est la moins intéressante. Bon, bah c'est pas grave, les amis. C'est au moins, je vous la montre. Voilà, il y a la brillance, elle est superbe. Et après, j'ai. Oh! Gros doudou! Non, mais c'est un. Oh, ce booster de fou! Et j'ai gros doudou GX en plus! C'est combien la combien ça? La 42! Non, mais j'ai eu 2 cartes GX! Alors, une chromatique GX et une carte GX normale. Bon. Après, encore une fois, là, je tape dans beaucoup, beaucoup de cartes qui ne sont pas les plus cotées, mais là, j'en ai eu beaucoup. C'est dommage, j'aurais aimé avoir une super carte, quitte à en avoir qu'une ou deux. Mais là, bon, après, là, j'en ai pas non plus me plaindre parce que j'ai de quoi faire. Et il reste encore 3 boosters, les amis. Oh là là, 3 boosters. Ah ben là, c'est un booster de fou, hein. Parce que une carte chromatique GX et une carte GX en même temps dedans, ça paraît. Enfin, j'ai rarement vu ça. C'est super. Franchement, je suis bien content d'avoir pris cette boîte. Allez, on va continuer. Ah, c'est incroyable. Allez, on continue. Ah bon. Oh. Smogo. De toute façon, je vais toutes les avoir plein de fois. Paras, Oslay et Voltorb. Et en peu commune, Grisacier. Enfin, le but, c'est d'en avoir un maximum. Dame du centre Pokémon, un sécateur. Et maintenant, j'ai l'énergie. Allez, c'est parti pour la reverse. Bon, j'ai quand même eu 3 cartes chromatiques. On m'étonnerait qu'il y en ait eu une quatrième. Elle est. Oh, Détermination d'Ondine. C'est une peu commune reverse. La 62. Hein. Ok, super, sympa. Et en rare, j'ai Arbok, la 27. Ok. Bon, on continue. C'est vrai que j'ai eu un bon panaché de cartes intéressantes là. J'ai pas eu des cartes extraordinaires, mais j'ai eu plein, plein, plein de cartes intéressantes. Donc, bon. Je suis quand même plutôt content. Il reste encore 2 boosters. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être avoir une super carte encore. Allez. Smogo, Osselet, Racaillou, Rondoudou, Starry, Canardtichot, Gravalanche, j'ai eu plusieurs fois le Vénard, et la carte énergie. Allez, la reverse, ta ta ta, allez hop, c'est une commune reverse, Magikarp, oh. Allez, et la rare, j'ai Smogogo. Classique. Oui, bah, ça m'étonne pas. Je pense pas retrouver quelque chose de plus dans cette boîte. Bon, c'est super bien d'avoir eu autant de cartes différentes. Je sais pas si c'est mieux d'avoir ainsi autant de cartes différentes que d'avoir une super carte et moins de bonnes cartes en fait. Après, je sais pas. Hop, allez, le dernier booster, les amis. Dernier booster. Magikarp, ah bah oui, je viens de l'avoir. C'est marrant d'avoir les deux versions comme ça. Ah. Allez, c'est parti. En commune, Starry, Ramolos, Voltorb, Pikachu. Ah, plein de fois Pikachu, Magmar. Je ne suis pas sûr. Arène d'Azuria d'Ondine,
Suggestion de Morgane. Et maintenant, allez, l'énergie. Allez, la reverse. Allez, la dernière reverse de la famille. Allez, 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 on ne sait jamais. Mélodelph. Oh, bah, c'est une rare encore. Oh, bah, c'est pas mal quand même. Une rare reverse. C'est Mélodelph. Bon, c'est... Oh, c'est quand même plutôt sympa. Ça bien, bien mélanger la collection. Et en dernière... Oh, voilà, Ivoli. Eh ben, une holo rare. Ok. Bah, je l'ai eu en... Ah, c'est marrant parce que... Ivoli, je l'ai eu en holo rare et en version reverse. Donc, le petit bilan de cette petite boîte sympa. On va commencer. J'ai environ... Alors, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 10 cartes. Sur 10 boosters, j'ai 10 cartes qui sont intéressantes. Alors, on a deux reverse rares, une holographique rare, trois holographiques rares, deux reverse rares, trois holographiques rares. Bon, ça c'est pour les cartes intéressantes, on va dire, et les cartes très 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 intéressantes. C'est dommage de peut-être pas en avoir eu moins. Alors, j'ai quand même eu... Alors, on va commencer par les GX. Bon, j'ai eu deux cartes GX. Reichu GX, Gros Doudou GX, et alors les chromatiques... J'ai deux chromatiques rares et une chromatique GX. Donc Kablifer en chromatique rare, Lucario chromatique rare et en carte GX, engloutirant GX, chromatique GX. Voilà, donc ça fait 5 cartes super super intéressantes. Pas extraordinaire non plus, puisqu'il y a des cartes beaucoup 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 plus intéressantes. Mais après j'ai eu une boîte vraiment avec... voilà, beaucoup de cartes variées, donc c'est plutôt pas mal. Faut pas oublier non plus cette carte GX qui est magnifique. Qui était la carte promo de l'édition, de la boîte. Bon, écoutez les amis, moi je suis plutôt content dans l'ensemble. Je suis plutôt content, j'aurais espéré avoir un truc de fou en vidéo, ça aurait été sympa. Mais c'est déjà pas mal, voilà, donc je vais me contenter de ça. Alors les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.